carte ensemble, en fait, donc je ne l'ai pas du tout créée. C'est Aurélie qui a fait un tuto de cette carte que j'adore, qui est coulissante comme ça. Bon, là, faut pas regarder, j'ai un gros souci de tamponnage. Voilà. Mais bon, elle coulisse, machin. J'ai adoré la faire. J'ai pas repris parce qu'elle avait fait en moitié vidéo, moitié en live et moitié. Voilà, elle reprenait, soit elle écrivait les instructions, soit elle les montrait sur vidéo. C'était un atelier en fait en live. J'avais trouvé ça génial. Donc si Aurélie me regarde aujourd'hui, je suis dispo quand tu veux, un jeudi soir. Voilà, donc j'ai adoré. Je me suis dit, je vais refaire la même en vidéo pour vous montrer les belles créations d'Aurélie. Que je vois bientôt d'ailleurs. Enfin, au passage, je pense que quand tu auras cette vidéo, je l'aurai peut-être déjà vue. Alors, je vous mettrai les mesures quelque part par là. Voilà. Et on va la faire en même temps, mais je vais me prendre ça comme support parce que j'en ai fait qu'une et voilà. J'ai recoupé des papiers. Donc là, je pris en papier de fond. Donc, c'est de Cultura. C'est des papiers Cultura de la marque, d'ailleurs, Cultura. Voilà, j'ai pris ça. En papier motif, j'ai pris ceci. Donc, la première chose à faire, c'est coller ces deux papiers. Là-dessus. Alors après, soit on a une perfo qui est assez fine et longue, mais moi je n'ai pas ce matériel, donc je le fais à l'envers et je coupe. Donc je vais me reprendre celui-là. Thank you.
en fait, ce serait collé, voilà, vous voyez, ça fait les deux coulisses, ou les deux coulisses comme ça. Là, au milieu, on va faire une petite encoche, moi j'ai pas, donc je vais prendre ma petite perfou. Donc là maintenant on peut et hop, on peut coller coller comme ceci. Donc je vais mettre de la colle. Tac tac tac, elle est où? Est-ce que c'est trop grand? J'espère que je fais dans le bon ordre. Message pour Aurélie. Voilà, vous voyez, hop. Du coup, ça fait une pochette. Vous voyez, ouverte des deux côtés. Ensuite, vous prenez un papier blanc. Il doit faire 9, 8 x 13, 3. On vérifie qui rentre et qui sort. Il n'y a pas de souci. Vous voyez. Voilà. On y colle, donc ça c'est avec cette perforatrice là de chez Stampin' Up que j'adore, que j'utilise pas mal en ce moment. On colle en fait, j'ai oublié un 2. Et on colle au milieu. Ceci. Hop. Ça fait donc 8,9. En fait, hop, hop, vous voyez. Voilà, donc la coulisse, ça fera
comme ça. Ensuite, moi j'ai préparé ce petit tamponnage pour se mettre dessus. Donc là, hop, le papier il est bien en place. Je vais mettre Donc là, on a positionné les petites mousses, vous voyez, comme ça, 3D, sur le bas et le haut de ma petite, ma petite étiquette qui doit faire 8 x 5. Et là, vous voyez, vous avez votre système et votre système de coulisses. Donc là, hop, c'est au plus haut, hop, c'est au plus bas. On décore ensuite en dessous. Moi, je vais juste mettre une petite étiquette de la collection Toga que j'adore. Quelques strass par-dessus. Après, hop, vous voyez, c'est juste vraiment pour vous montrer le système. Ça coulisse vers le haut, vers le bas. Et ça cache un petit message. Là-dessus, vous pouvez écrire votre texte à l'envers ou là, en faisant attention de ne pas mettre dans les coulisses. Vous voyez. Moi, j'adore ce système de cartes. Voilà. Hop, attendez. Oups, voilà. Vous voyez. Voilà. Bon, voilà. Et ça, c'était la première que j'ai faite en live avec Aurélie. J'espère que ces cartes vous auront plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. Ou... pas de soucis, même si c'est vers le bas, ça ne me dérange pas. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous mettrai le lien de la page Facebook d'Aurélie. Voilà. Allez, à plus.